won't you spare me over till another Bonjour et bienvenue dans ma collection. Je suis le conservateur d'histoire, d'histoire d'amour et de haine, de beauté, de convoitise, de vie et de mort, d'histoire comme celle-ci. Je serai en charge d'écrire l'histoire que vous raconterez. Il n'en existe pour l'instant que des fragments. Ce sont vos choix qui la compléteront et qui détermineront si le sort de ceux qui vous accompagnent est de rester en vie ou bien plutôt de périr. Généralement, les choix que l'on fait sont dictés par notre boussole morale. Puis il faut vivre avec ses décisions ou mourir à cause d'elles. Mais ne craignez pas la mort, car elle est après tout inévitable. C'est le prix à payer pour avoir vécu, et cette fin inéluctable attend chacun de nous. Cela dit, personne n'a envie qu'elle arrive trop tôt, n'est-ce pas ? Comme dans la vie, toutes vos actions auront un impact. Les choix que vous allez faire affecteront tout le monde. Je suivrai votre progression de près. Je ne suis pas censé intervenir, mais il se pourrait que je sois parfois d'humeur à vous donner un indice. En voici déjà un. Des photos cachées ça et là pourraient vous révéler de potentiels futurs. Si vous les trouvez et que vous les analysez, elles pourront vous aider à prendre des décisions plus avisées. Ou devrais-je dire des décisions qui auront les conséquences que vous souhaitez voir. Ce sera tout pour l'instant. Nous nous reverrons bientôt et nous aurons l'occasion de revenir sur les actions que vous aurez menées ou le chaos que vous aurez causé.
Ça suffira? Sinon, on réussira toujours à se réapprovisionner. Eh, au fait, j'ai jamais été là-dessous. Là-dessous? Sous l'eau. En plongée. Tu pourrais me montrer comment font les pros? T'es sérieux? Bah, quoi? T'es vraiment venu ici sans avoir pris une leçon de plongée? Bah, ouais. C'est... Pardon? C'est un peu la honte de prendre des cours tout seul. Ce qui est plutôt la honte, c'est d'être venu jusqu'ici en comptant sur moi pour t'aider. Wow, fais gaffe. Cette caméra, elle est vraiment super. Tu sais quoi? Sois relax. Quoi? Julia et Conrad, ils sont... Comment dire... Carrément plein aux os. Donc? Arrête de criser pour rien, mec. C'est pas cool. Me fais pas regretter de t'avoir emmené. Hein? M'emmener? Tu rigoles? Je croyais que j'étais invité. Julia voulait que tu nous accompagnes. Sérieux? Julia? Ouais, mec. Elle voulait que tu viennes. Et je voulais qu'elle voie que t'es quelqu'un de cool. Ce qui est pas le cas. Alors relax. Pigé? Ok, mon pote. La cavalerie approche. Cool. Désolé d'être un peu à cran, c'est que... Je pensais pas que faire médecine serait si stressant. Sans déconner. En plus, cette relation à distance, avec Julia, c'est pas évident. Ouais, je comprends. Ça doit être dur. T'inquiète pas. Hein? Ouais, ça tombe bien. Quoi? Conrad pense qu'on est limite en bière. Ah, eh ben je vais mettre celle-ci à l'abri alors. Ouais. Hé! Hey, au fait, je pourrais te demander un truc? Ouais, quoi? En fait, c'est assez important et je dois prendre une décision. T'hésites à finir médecine? Non, mais... Tu vois... Ça risque de changer à jamais ma vie, tu comprends? Je suis pas sûr de faire le bon choix. Suis ton instinct. Si c'est le bon, tu le sauras. Hé! Hey! Oh, pardon. Conrad, voici Alex. Hé, hey, salut mec, Conrad. Méfie-toi. C'est un tombeur, un vrai. Content de te rencontrer enfin. Et lui, c'est Brad, mon petit frère. Salut. Bradley, j'ai l'impression de te connaître. Alex parle souvent de toi. Ouais, bah, enchanté. Je t'ai manqué. Salut. Ça te dit une petite mousse? À chaque seconde. Bah, ça fait beaucoup de secondes quand même. Sérieux, j'aurais 10 minutes. Ouais, trop bien, ouais. Ah, cool. Ah, j'adore la bière. Désolé, mais ton excuse ne tient pas vraiment là. C'est cool, Brady Cool. T'as vraiment le vent en poulpe. C'est poupe. Eh, hey, c'était une blague. T'as déjà fait de la plongée avant? Non, pour être franc. C'est ma première fois. Un puceau? Chouette. Eh, hey, tu vas devenir un homme, grâce à nous. T'inquiète pas. Oh. Où est le capitaine de Stade Ferraille, d'ailleurs? Je vous inviterai bien à faire comme chez vous, mais... Tout le monde est à bord et prêt à partir? Si ça te dit, je suis partant.
C'est ça, te retiens pas. Ouais. Tu veux peut-être t'allonger? Ouais. Je devrais faire ça. Eh ben. Alors, voyons ces images. Pourquoi pas par là-bas? Ça fait un peu loin quand même. Bah, j'essaie juste de trouver des idées au cas où on trouverait rien sur la caméra sous-marine. Écoute, pour être honnête, j'ai jamais entendu parler de cette épave. En général, ces trucs-là grouillent de plongeurs. Ouais. Ça a rien à voir. Moi, tout ce que je dis, c'est que s'il est trop tard, je connais des coins sympas où plonger, tu vois? Pour le fun. Je fais confiance à Brad. S'il dit que l'épave est là, elle est là. Ok, c'est toi le boss. Mais faut pas oublier qu'à un moment, il va faire nuit. Je vais aider Conrad et Julia avec la caméra. C'est quoi? Je vous laisse admirer ça. Les calculs de Brad étaient aux petits oignons. Toujours se fier à Brad. Ouais, il est génial. Faut le remercier. Fliss, on a trouvé un avion. Hein? Ouais, la Seconde Guerre mondiale. On est prêt à plonger. Normalement, on est censé le déclarer aux autorités portuaires. C'est une épave inconnue. Ouais, normalement. Vous êtes sûr de vouloir enfreindre les règles? Bah, si on nous interroge, on plongeait, et c'est là qu'on l'a vu. Qui le saura? Quelle règle? On est où là? À la maternelle? Il fallait que je le dise. Si on va jeter un petit coup d'œil, qui peut le savoir? Bon, ne traînez pas alors. Et surtout, ne touchez à rien. Ah, oh, j'ai vraiment trop hâte d'être la première en bas. Vous vous rendez compte? La preuve. Vous devriez être paré à plonger dans pas très longtemps. Je m'occupe des bouteilles. Les gars font les dernières vérifs. Jette un œil à la caméra, vois si tu trouves quelque chose d'utile. Ça roule. Hé, hey, tu devrais peut-être parler à ton frère. Le matériel va pas tarder à être prêt. T'as besoin d'aide? J'ai jamais eu l'occasion d'utiliser de recycleur. Je crois bien qu'on est paré. Mais ça peut être une bonne idée que tu vois un peu comment les choses fonctionnent. Franchement, je suis pas très emballée par notre capitaine. Ouais, je sais. Tâchons de rester cool, ok? Quoi? Cool? Ce serait pas malin de se la mettre à dos. Si elle essaie encore une seule fois de m'empêcher de plonger, c'est bon. J'explose. D'accord. Mais la provoque pas. Parfait. Je vais préparer les recycleurs et on fera le point sur les dernières étapes. Cool. Préviens-nous quand t'as fini. Salut. Salut, chérie. Il y a une brèche dans la queue. Regarde ça.
Tu sais comment ça marche? Non, pas vraiment. Vaudrait peut-être mieux le laisser tranquille. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça va? Comment ça va? Désolé, j'aurais jamais dû boire cette bière. Putain, mec! Tu devrais connaître un peu tes limites. Mais lâche-moi! C'est toi qui voulais que je fasse connaissance avec Conrad. En te bourrant la gueule? Sérieux? Ok, ok. Va profiter de la mer. Je remonte dès que ça va mieux. J'ai l'impression que Julia a embarqué toute sa garde-robe. Ça peut sentir bon vu le tarif. Au moins, ça lui a plu. Ok, bon, voici le recycleur. C'est bien mieux que le matos de plongée habituel. Il récupère tout le CO2 qu'on devrait normalement expirer dans l'eau, et ensuite, il le recycle entièrement. Et il réduit le temps de décompression quand on remonte. Trop génial! Ok, l'oxygène, c'est fait. Tête de linotte, faut vérifier ton oxygène avant. Merci pour ton aide. Allez, mes gentils petits têtards. Je vais aller voir ce que fait Fliss. Et surtout, pas de bêtises. Besoin d'un second, capitaine? J'abandonne jamais. Alors, ils vont plonger ou quoi? Gère la caméra, je passe devant. Immortalisons ce moment avant. On sera bientôt tous les deux. La journée va être longue. Ok, les gars, c'est parti! Et n'oubliez pas les règles, surtout! J'ai un bon harpon. Ouais, c'est ce qu'on raconte. Haha. Tu t'en es déjà servi? Sur un requin? Non. Yeah.